C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous adresser ce message à l'occasion de l'événement des armées pour vivre. Le 6 août 1945, une seule bombe atomique a détruit notre cité, prélevant d'innombrables vies de civils innocents. Ayant subi la tragédie de ce bombardement, Hiroshima n'a cessé d'appeler à un monde de paix, sans armes nucléaires, en se fondant sur la conviction des survivants, personne d'autre ne doit souffrir comme nous avons souffert. Hiroshima, alors ces 76 ans est passé. Et le jour, il était comme ça. Tout le monde était vivant. Et d'un seul coup, c'était anéantir avec le bombe. Et ça, c'est vraiment... Bah, vous faites voir les images, les témoignages. Et c'est vraiment... atroce, vraiment, c'est absolument atroce. Et bah, ça me fait beaucoup réfléchir pourquoi on arrive de détruire ainsi. Et parce que bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki, bah, on dit que c'est parce que le Japon qui n'a pas cessé, mais au fond, je ne suis pas sûre que c'était la raison. Alors, ils avaient donc course pour chercher de nouvelles bombes, détruire tout le monde d'un seul coup. Et donc, il y avait de cette, comment on peut dire, de chercher quelque chose de plus et plus vite. Et voilà. Moi, je me suis dit, c'est peut-être la racine de notre problème humanité. On veut toujours plus et puis plus vite. Et bah, on détruit notre humanité et nos cœurs. Et voilà, donc moi, je vous propose qu'on s'arrête de vouloir avoir plus de choses, plus vite. Mais au lieu de ça, on va prendre les mains en main et puis on va s'aimer et on va danser ensemble, on va chanter ensemble. Et puis comme ça, je pense que le monde peut revenir avec beaucoup d'espoir. Jérôme Pélisse-Rondy va d'abord intervenir pour une vingtaine de minutes, puis ça sera Jean-Marie Matagne, et puis on ouvrira la discussion, au-delà évidemment pour les participants de cette table ronde, à la salle. Et donc c'est avec un grand plaisir que je cède la parole à Jérôme. Merci encore Jérôme de nous avoir rejoints. Les propos que je vais prononcer n'engagent pas l'institution. C'est un point qui est extrêmement important. Alors mon objectif n'est pas de vous persuader si c'est bien ou si c'est mal. Nous fêtons, nous célébrons plutôt avec douleur, bien sûr, chaque fois, le 76e anniversaire du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Et ça, c'est un point qui est effectivement essentiel et crucial dans l'histoire du nucléaire. Donc le problème, finalement, n'est pas l'arme française. Nous pesons très peu en termes de capacité nucléaire. La Russie, 6375 têtes. Les États-Unis, 5800. La Chine, troisième puissance nucléaire désormais, avec 320 têtes.
Ensuite, nous, nous avons 290 têtes qui se répartissent en quatre, avec nos quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui permettent d'avoir un sous-marin à la mer en permanence, et deux escadrons de rafales équipés du missile SMPA. Ensuite, vous avez les États-Unis, le Royaume-Uni avec 215 têtes, le Pakistan 160 et l'Inde 150. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'ils ont à peu près le même niveau, ce qui permet d'éviter le conflit majeur. Ce qui permet de, quand il y a des accès de fièvre dans le Cachemire, on se bat pendant 2 ou 3 jours et après, le principe de dissuasion s'applique et on va discuter. Bien sûr, n'oublions pas Israël qui dispose d'environ 90 têtes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la Corée du Nord avec 40 têtes. Raisonner sur la dissuasion, c'est raisonner géopolitiquement. Et aujourd'hui, le problème, c'est la confrontation de puissance. Et la confrontation de puissance passe pour un certain nombre de pays par l'affirmation de leur statut nucléaire. Et donc, on voit bien aujourd'hui que Pékin raisonne globalement dans tout le spectre de la puissance, c'est-à-dire du soft jusqu'au hard power, dont le nucléaire. Le nucléaire fait partie intégrante de la diplomatie chinoise. On a une attitude extrêmement agressive de la Chine qui intègre cette dimension nucléaire désormais dans son projet politique. La dissuasion nucléaire française, c'est le maillon faible dans le débat. Pourquoi ? Parce que, pour un tas de raisons politiques, la dissuasion nucléaire française est très liée à la constitution, bien sûr, de la Ve République. C'est le chef de l'État qui le met en œuvre. Mais parce que derrière, il y a aussi toute l'ambivalence de la relation entre l'État, l'armée et la nation. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de notre dissuasion nucléaire à nous, Français ? On reste sur la stricte suffisance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, comme les Chinois ou les Russes, à vouloir augmenter nos capacités. Nous voulons avoir cette capacité minimum qui dissuade. Alors vous allez me dire, mais la dissuasion ne dissuade pas le terrorisme. Je suis d'accord. Al-Qaïda se fout de l'arme nucléaire, et on le voit bien avec ce qui se passe, hélas, en Afghanistan. La dissuasion nucléaire ne dissuade pas les narcotrafiquants et les mafias. Ça, je suis absolument d'accord. Mais la dissuasion nucléaire, elle dissuade les projets politiques hégémoniques venant d'État. Nous sommes revenus à une époque où les relations entre États sont à nouveau des relations de rapport de force. Cette dissuasion française, elle nous permet aujourd'hui de pouvoir maintenir un dialogue, je ne dirais pas d'égal à égal, mais de pouvoir dialoguer néanmoins avec des gens comme Poutine ou Xi Jinping. Et rien que pour ça, aujourd'hui, c'est essentiel. Oui, le principe de l'arme nucléaire est quelque chose de dévastateur. Mais aujourd'hui, dans l'environnement géostratégique dans lequel nous nous situons, cette dissuasion nucléaire nous permet de conserver une marge de manœuvre pour préserver un certain nombre de normes qui sont les normes communes que nous partageons en Europe, en particulier autour des droits de l'homme, de l'individu, de ce qui fait société. Alors, on va maintenant écouter Jean-Marie, qui va nous offrir, lui, sa propre lecture du contexte et nous offrir son diagnostic. Jean-Marie, c'est à toi. Oui, alors, merci. Merci, Frédéric. Et puis, je remercie Jérôme. Je me permets de vous appeler par votre prénom. Bien sûr, avec plaisir. Et puis, je vous remercie également de la dimension de votre approche, du fait que vous parlez géostratégie, et nous sommes d'accord pour aborder cette question du nucléaire, effectivement, de manière réaliste. Et c'est justement une autre forme de réalisme, si vous voulez, que nous proposons, parce que quand je vous entends décrire les choses, je suis assez d'accord avec votre diagnostic.
Mais ça nous situe pratiquement dans une voie sans issue. Et il faut arriver à trouver cette voie qui désamorce justement les rapports de puissance qui gouvernent notre monde, parce que on va vers la catastrophe. C'est notre avis. Voilà. Alors moi, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui est aussi de l'armée, mais de l'armée américaine, qui s'appelle toujours en vie, le général Lee Butler, et qui était le chef du Strategic Air Command jusqu'à sa dissolution, et donc qui était responsable de la mise en œuvre de la totalité des outils nucléaires américains si le président des États-Unis en avait donné l'ordre. Et il a participé, plus ou moins, au moment après la chute du mur de Berlin et après une période qui peut-être manque dans votre analyse des trois âges. Il y a eu un âge intermédiaire là et une occasion qui a été ratée. Une occasion d'aller vraiment vers un monde sans armes nucléaires. C'est-à-dire un équilibre des forces au niveau, pas zéro, mais au niveau zéro. On a raté le coche à ce moment-là. Et le changement d'attitude de la Chine, par exemple, que vous évoquez, eh bien, il date peut-être de cette période où on a raté le coche, si j'ose dire. Alors donc, ce général Lee Butler, en 1996, il a dit « Les armes nucléaires sont terriblement dangereuses, extraordinairement coûteuses, militairement inefficace et moralement indéfendable. » Alors, je vais reprendre ces quatre points, si vous voulez. D'abord, le coût de ces armes. Le deuxième point, ça serait plutôt leur dangerosité. Le troisième point, ça serait leur immoralité. Et le dernier point, ça serait leur inefficacité militaire. Le premier point, brièvement, c'est le coût des armes nucléaires qui est faramineux. Et pour ne prendre que l'exemple de la France, qui est pourtant un exemple modeste, puisque la puissance de nos armes correspond à peu près à 1,5% de la puissance totale des armes existantes, ces armes, on peut estimer qu'elles nous ont coûté jusqu'à présent au moins l'équivalent de 300 milliards d'euros. Certains estiment que c'est plutôt 400 milliards. La dépense qui est faite simplement pour la modernisation et le renouvellement des armes nucléaires en France est passée de, en moyenne, 4 milliards par an à bientôt 6 milliards. Donc une augmentation de près de 50% sur 7 ans. Deuxième point, extraordinairement dangereuses, ces armes nucléaires. Elles le sont même si on ne les utilise pas. Si on les utilise, c'est évident. La seule bombe d'Hiroshima a fait, on peut estimer, entre 200 et 250 000 morts sur une agglomération qui comptait environ 350 000 habitants. Mort immédiat et mort différée. Une seule arme atomique, une bombe A. Or, les bombes H actuelles, en moyenne, sont 10 fois plus puissantes. Et nous-mêmes, Français, nous avons de quoi faire quasiment 1 milliard de morts si on rapporte la puissance globale de nos armes nucléaires à la puissance de celle d'Hiroshima. 1 milliard de morts, ça me semble beaucoup pour une stricte suffisance. Moralement indéfendable, ça semble assez évident. Et je voudrais juste citer Alain Perfitte, le 4 mai 1962, pose la question suivante à Charles de Gaulle. Des centaines de milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards carbonisés en un millième de seconde, et des centaines de milliers d'autres mourant au cours des années suivantes, dans des souffrances atroces. N'est-ce pas ce qu'on appelle un crime contre l'humanité ?
Et Perfit ajoute, le général lève les bras, ce n'est pas son problème. Mais le problème, c'est que c'est devenu notre problème à nous. Le problème, c'est que ça marche quand on maîtrise la situation, mais quand on a justement la prolifération qui se développe, ça devient ingérable. Dernier point, est-ce que c'est dissuasif vraiment, l'arme nucléaire ? Est-ce que c'est au moins un instrument de dissuasion ? Et là, je me permettrai de citer quelqu'un qui a tenté de vérifier si c'était efficace ou pas, et qui était en charge de la présidence de la République, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing, dans le volume 2 de du pouvoir et, Le pouvoir et la vie, ses mémoires post-présidentielles. En mai 1980, il fait faire des manœuvres dans la zone française d'occupation de l'Allemagne. Alors bien entendu, il y a les rouges et les bleus. On voit qui sont les bleus, qui sont les rouges. Et l'expérimentation, c'était de savoir à partir de quel moment l'état-major des bleus, qui par hypothèse était, avait toutes les chances d'être battu, vu que les rouges avaient quatre fois plus de blindés, par hypothèse, à quel moment il lui demanderait d'utiliser la force des Plutons, c'est-à-dire des missiles nucléaires d'une portée d'à peu près 70 km, missiles considérés par les uns comme tactiques ou comme pré-stratégiques. À ce moment-là, c'était plutôt tactique. Le commandement ne vous demande pas d'autoriser l'emploi de l'arme nucléaire tactique. Il estime qu'il vaut mieux conserver intacte la disponibilité de notre corps de bataille plutôt que de l'exposer à la destruction nucléaire. Ainsi, on ne me demande plus rien. La démonstration n'est pas complète puisque la bataille n'est pas encore achevée. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de notre frontière, nous sortons du domaine de l'ultime avertissement pour entrer dans celui de la dissuasion stratégique. Car un tir limité de notre part entraînerait aussitôt des représailles directes sur notre sol. Il ne resterait plus qu'à choisir entre le drapeau blanc et la destruction mutuelle assurée. Il vaut mieux garder ce qui reste de cartes dans notre main. Donc, nucléaire tactique, inutile quand on a en face de soi des gens qui en sont également dotés, éventuellement avec une supériorité numérique. Et puis, concernant la destruction mutuelle assurée, quoi qu'il arrive, et j'écris cela entre parenthèses pour souligner que cette décision a toujours été enfouie au fond de moi. Quoi qu'il arrive, je ne prendrai jamais l'initiative d'un geste qui conduirait à l'anéantissement de la France. Si sa destruction était entamée par l'adversaire, autrement dit, si c'était l'adversaire qui prenait l'initiative d'un tir en premier, un tir nucléaire, je prendrai aussitôt la décision nécessaire pour la venger, la France. Voilà, donc finalement, l'arme nucléaire stratégique est une arme de vengeance. Mais autrement, je vais laisser à son paysage, à ses maisons, à ses arbres, à l'eau de ses étangs et de ses fleuves, à la fidélité, à leur conviction, alors cachée de ses habitants, l'ultime chance de faire revivre un jour une culture française. En d'autres termes, utiliser l'arme en premier, l'arme nucléaire, c'est provoquer la destruction massive de la France. C'est donc une arme suicidaire. Je préfère l'occupation, comme en 40, à la destruction mutuelle assurée. Cette arme nucléaire est extraordinairement dangereuse et elle est extraordinairement coûteuse, militairement inefficace et moralement indéfendable. C'est donc le général Butler qui affirmait ça, nous on est assez d'accord avec ça, et ça ne nous dispense pas, et c'est là où ça devient, je crois, intéressant de dialoguer, c'est de regarder en face le problème justement de cette expansion de l'arme nucléaire actuelle, et il me semble que l'arme de la France, elle a un seul intérêt, une seule utilité, c'est d'être déposée sur la table en disant voilà, nous, on veut bien
On est prêt, on est même résolu à renoncer à nos armes à condition que vous aussi vous vous mettiez dans cette attitude et qu'on négocie par conséquent un désarmement multilatéral, intégral à terme, contrôlé, dûment contrôlé, si j'ose dire, et je pense que le dialogue il peut démarrer là-dessus. Essayons de confronter ça à la situation géostratégique actuelle. 7 heures. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. J'ai couru, mais la milice avait déjà isolé le bâtiment et n'y laissait entrer personne. Seules les ambulances traversaient le barrage. Les miliciens criaient. Près des voitures, la radiation bloque les compteurs au maximum. Ne vous approchez pas. Je n'étais pas seule. Toutes les femmes avaient accouru, toutes celles dont les maris se trouvaient dans la centrale cette nuit-là. Je me suis lancée à la recherche d'une amie, médecin dans cet hôpital. Je l'ai saisie par la blouse blanche lorsqu'elle est descendue de voiture. « Fais-moi passer !»« Je ne peux pas. Il va mal. Ils vont tous mal. » Mais je ne la lâchais pas. Juste jeter un regard. Elle me dit « D'accord, allons-y pour un quart d'heure, 20 minutes. » Je l'ai vue. Tout gonflé, boursouflé, ses yeux se voyaient à peine. « Il faut du lait, beaucoup de lait, m'a dit mon ami, qu'il boive au moins 3 litres. Mais il n'en prend pas, désormais il en prendra. » Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades plus tard. Mourraient. Mais alors personne ne le savait. À 10 heures du matin, l'opérateur Tchitchenok rendit l'âme. Il fut le premier jour. Nous avons appris plus tard que le deuxième, Valera Kodemchuk, était resté sous les décombres. On n'était pas parvenu à le dégager, son corps a été noyé dans le béton. Mais nous ne savions pas encore qu'ils étaient tous les premiers. À Moscou, nous avons demandé aux premiers miliciens venus dans quel hôtel se trouvaient les sapeurs-pompiers de Tchernobyl et il nous l'a dit, hôpital numéro 6 à Tchoutkinskaya. C'était un établissement radiologique spécial et l'on y pouvait entrer sans laisser passer. Je donnais de l'argent à la gardienne et elle me dit « vas-y ». Il me fallut encore quémander et supplier d'autres personnes. Finalement, je me retrouvais face au chef de service radiologique, Angelina Vassilievna Guskova. Je ne connaissais pas encore son nom, je ne retenais rien. Je savais seulement que je devais le voir. Elle me demanda aussitôt, « Avez-vous des enfants ?» Comment pouvais-je lui dire ? Je comprenais déjà combien il était important de taire ma grossesse. Sinon, cette femme ne m'aurait pas laissé le voir. Heureusement que j'étais maigre et qu'on ne devinait rien. « Oui, » répondis-je. « Combien ?» Je me dis, je dois lui dire que j'en ai 2 pour un seul, elle ne m'autorisera quand même pas à entrer. Un garçon et une fille. Si tu en as 2, tu n'en auras probablement plus d'autres. Maintenant, écoute. Le système nerveux central et la moelle osseuse sont entièrement atteints. Ce n'est rien, pensais-je, il va devenir un peu nerveux. Écoute encore. Si tu pleures, je te renvoie tout de suite. Il est interdit de s'embrasser et de se toucher. Ne pas s'approcher. Tu as 1 demi-heure. Cette table ronde, intitulée « Aux armes les humains » et qui vise à dresser un état des lieux des armements et des dépenses militaires dans le monde.
Nous ferons un zoom sur une région particulière, une région chaude qui est très souvent sous le feu de l'actualité et qui est le Moyen-Orient. Donc pour voir la question des armements dans cette région et des différents positionnements géostratégiques des États de cette région. Et puis ensuite, donc, comme je l'ai laissé paraître tout à l'heure, Frédéric Ramel, qui est avec nous, présentera les éléments dont devait nous faire part une des intervenantes à la table ronde, Aude Fleurant. Donc, bonjour à tous. Donc, pour commencer, j'ai prévu quelques diapositives sur les budgets défense, essentiellement, hein, pour essayer de situer la région dans le monde et puis du coup d'expliquer, de justifier pourquoi on a choisi de faire un focus sur cette région. Alors là, je vous ai mis ce qu'on voit en 2020. Alors on voit que l'Arabie Saoudite n'est plus numéro 3, mais on la retrouve quand même là en 9e position. Pardon. Donc ce qu'on constate, hein, c'est toujours cette présence de l'Arabie Saoudite, hein, comme premier budget défense des pays de la région. Là, quand je parle du Moyen-Orient, hein, j'exclus vraiment les pays du Maghreb. Hein. Mais donc je commence à l'Égypte et pour moi, ça va jusqu'au Pakistan. Je vais y revenir. En termes géopolitiques, pour moi, le Pakistan ne fait pas du tout partie de la région Asie. C'est vraiment un pays dont les problématiques de sécurité sont vraiment très, très liées à la région Moyen-Orient. Alors là, c'est un autre point de vue. C'est les budgets de défense en pourcentage du PIB. Et là, donc, c'est vraiment très intéressant parce que c'est les 15 premiers, et on voit beaucoup de pays de la région et beaucoup notamment de monarchies du Golfe, c'est-à-dire ces États qui sont réunis depuis 1981 dans ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, qui est au départ une organisation de défense collective des riches producteurs de pétrole de la rive arabe du Golfe qui font face à l'Iran et aux tentatives de déstabilisation de l'Iran après la révolution islamique de 1979 qui porte l'ayatollah Khomeini au pouvoir et donne lieu à ce régime qu'on appelle la République islamique d'Iran. Et donc se sont unis ensemble pour faire face à cette menace. Donc vous avez le gros pays, c'est l'Arabie Saoudite, ensuite le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et Oman, donc 6 pays. Et donc ils sont extrêmement bien positionnés dans ces gros budgets défense par rapport au PIB. Oman, pays frontalier avec le Yémen. Et donc on voit Oman vraiment régulièrement numéro 1 ces dernières années dans les budgets de défense en pourcentage du PIB. Oman, qui est un pays qui ne fait pas la guerre. Hein. Je vous propose donc d'écouter Frédéric Ramel, non pas présentant le fruit de ses propres travaux, mais nous présentant des éléments sur les dépenses, sur l'évolution des dépenses d'armement. Qui lui ont été donc transmis par Aude Fleurant. Peut-être un point d'information sur qui est Aude Fleurant. Aude Fleurant a eu comme charge la responsabilité du domaine armement au sein du CIPRI, qui est en fait un organisme qui, à Stockholm, est extrêmement réputé dans les statistiques stratégiques relatives aux dépenses d'armement. Elle distingue différents moteurs. Le premier, c'est la perception d'une menace d'un État, et donc la réponse de cet État à cette menace à travers justement une augmentation de la dépense militaire. Ensuite, la mise en œuvre de nouveaux programmes d'armement. On a déjà évoqué cela hier et aujourd'hui, en particulier Benoît l'a souligné, Laurence aussi. Troisième élément, des engagements relatifs aux conflits armés, et donc en particulier des présences d'opérations militaires, on évoquait le cas du Yémen, par exemple, pour l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais on peut aussi penser, dans le cas français, à des opérations menées depuis maintenant plusieurs années au Sahel. On peut penser aussi, évidemment, pour les Américains, cette opération d'Afghanistan qui se clôt mais qui s'est étirée sur pratiquement 20 ans. À l'échelle globale, puisque les États-Unis
et les autres, on pourrait dire cela ainsi, hein, en termes de volume. Donc cette hiérarchisation fait qu'il y a les États-Unis et les autres, avec le second pays le plus dépensier, qui a déjà été apparu sur les statistiques. On en a parlé hier à travers le cas du nucléaire, c'est la Chine. Donc pour vous donner les éléments très précis, les États-Unis c'est 778 milliards, la Chine c'est 252 milliards. Donc on voit déjà le rapport extrêmement important entre les deux premiers États, et cet écart se creuse si on prend ces deux pays et ceux qui suivent derrière, puisque les cinq pays les plus dépensiers présentent un total des dépenses militaires de 1224 milliards, et les pays au rang 6 à 10 montent un total de 258 milliards. Donc on voit vraiment des écarts extrêmement importants dans la hiérarchisation. Déjà, Aude indique que depuis 2014, la tendance est toujours à la hausse, hein, si cette fois-ci on se place du point de vue du volume global, hein, des dépenses militaires, mais que des facteurs exogènes, des facteurs externes qui pourraient éventuellement affecter justement cette augmentation des volumes de dépenses budgétaires ne sont pas opérants. Le premier facteur, c'est la crise de 2008. La crise financière a eu un tout petit impact de 2 ans, mais après on a vu une remontée il n'y a pas eu d'impact en fait structurel sur le volume de dépenses. Et puis, la situation sanitaire, on aurait pu penser en effet que ça a un impact sur justement la répartition des dépenses des États, et en fait, il n'en est absolument pas question. Le Fonds européen de défense, qui est un des moteurs de la militarisation de l'Europe actuelle, c'est un projet qui est payé en partie par le budget de l'Union européenne et par le budget des États, c'est 7,9 milliards, donc grosso modo 8 milliards exclusivement dédiés aux compagnies d'armement en vue de produire de nouvelles générations d'armement. Eh bien, ce 8 milliards d'euros, pardon, hein, j'ai dit de dollars, donc 8 milliards d'euros, ne semble pas affecté par la question de la pandémie. Voilà très succinctement ce que Aude voulait nous dire. Et à nouveau, je me permets d'être ici Hermès, très désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. My name is Bruce Gagnon. I'm the coordinator of the Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space. But now in this present moment, we're seeing the proposal for Space Force, Trump's proposal, passing the House of Representatives and the Senate, part of the NDAA, $750 billion for more endless war, regime change, but also for this Space Force proposal, making it a separate entity within the military. But one of the more interesting things about the Space Force is the Democrats' response, especially in the House of Representatives. 188 Democrats voted in favor of this NDAA, and Democrats were overwhelmingly supporting this idea of creating the Space Force to move the arms race into the heavens. Some years ago, the U.S. Space Command came out with a planning document called Vision for 2020, where they talked about the fact that the U.S. needs to have what they call full spectrum dominance, control conflict at every level. The land with our army, the sea with our navy, the air above us with the Air Force, and now space as well with this new Space Force. And they say that with this kind of capability, the U.S. will be able to control space and dominate space and deny other countries access to space. In fact, they say that the U.S. would be the master of space. The Congress said that we, the United States, our military, must control the pathway on and off the planet Earth so that we will be able to decide which countries can literally go out and mine the sky. Not only countries, but corporations or wealthy individuals like Elon Musk or Jeff Bezos, the owner of the Washington Post. All of these rich guys are now developing space aspirations because they've got the word that mining for gold on the asteroids,
mining for magnesium and cobalt and uranium on Mars, water and helium-3 on the moon, would make whoever controls this process rich beyond anything imaginable. So I would submit that the Space Force has two primary missions. One is to control the Earth on behalf of corporate globalization. Whoever controls space controls the Earth because they can hear everything, they can see everything, and they can target every place on the planet. And then secondly, whoever controls space will then be able to control who gets on and off the planet and can go out and mine the sky. So this is what the Space Force would do with your tax dollars. So what do we do about all this? How do we organize to oppose this? Well, like everything, this idea of the Space Force has an Achilles heel. And the Achilles heel is money. It's so expensive to try to do all of this stuff. One rocket launch costs hundreds of millions of dollars. One satellite costs hundreds of millions of dollars to build. Rockets have about a 10% failure rate. Often they go boom on launch. The rocket, the satellite are destroyed. They have to start all over again. It's a massively expensive undertaking. And then they have to have ground stations all over the planet that communicate with these satellites. It's a huge, hugely expensive proposition. That's the Achilles heel. If we fight for social progress, if we fight for environmental cleanup, especially today when our real problem that we have is climate crisis, if we fight for funding for those programs, we help take money away from this idea of moving the arms race into space. So don't underestimate the value of fighting for social, for human progress, for environmental cleanup and environmental care on this planet, this beautiful planet of ours. Please visit our website at spaceforpeace.org and learn more about these issues and help share that information with others. We have this very brief moment now in history where we can try to prevent this destabilizing, destructive, and highly, highly expensive arms race from moving into space. We don't have a minute to waste. Please help us defeat this insanity, literal insanity, from happening. Thank you very much. Vuelva, se hunde volando en el cielo, como llega hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. No quiero golondrina, je ne veux pas que ma fille soit changée en hirondelle. Elle ferait son nid sous l'auvent et mes doigts jamais plus ne la coifferaient, non. Je ne veux pas que ma fille soit changée en hirondelle. Je ne veux pas que ma fille soit changée en princesse. Et je ne veux surtout pas qu'elle devienne reine. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Zapatitos de oro, como llega hasta mi estera. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. No quiero, princesita, maman. Maman, maman, moi je veux être une princesse, maman. Maman, moi je veux être reine. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no
llegan. Cuando viniese la noche, a mi lado no se acuesta, no quiero la gran reina, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa, yo no quiero que a mi niña, yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina, no, 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 no. C'est évident que si on veut qu'on avance, il faut que ça intègre les politiques publiques, ces sujets-là. Et effectivement, quand on a des campagnes électorales aussi importantes qu'une élection présidentielle, il faut trouver le bon moyen que ça reste un sujet central dans le déploiement de ces campagnes électorales et que ce soit des sujets qui interpellent des candidats et, que, et surtout qui se les approprient. C'est-à-dire que si on veut avancer, il faut qu'à un moment donné, des candidats s'approprient ces questions-là pour qu'elles soient traduites dans des politiques publiques ambitieuses. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est aussi, bien plus modestement, mais une des raisons de mon engagement politique. C'est-à-dire que j'ai lutté dans le monde associatif, dans le monde syndical, mais j'ai très vite compris que c'est quand même dans le champ politique où on peut vraiment, réellement avancer pour faire bouger les lignes. Et donc, c'est aussi pour ça que, même aujourd'hui élu au Parlement européen, je continue d'agir sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi d'être élu, c'est de pouvoir agir sur ces sujets qui sont des sujets centraux, si on veut regarder droit dans les yeux nos enfants et les générations futures. Moi, je suis un ancien sportif de très haut niveau et je considère qu'il y a que les combats qu'on mène pas qui sont perdus d'avance. Et donc, on livre bataille et tant que la cloche n'a pas sonné, il faut livrer bataille. Et voilà. Et parfois, on a des surprises agréables. Moi, dans ma modeste vie politique, encore une fois, j'ai pu faire le constat qu'à livrer bataille jusqu'au bout, dans des logiques où on essaie d'être pédagogue, où on essaie de convaincre, où on essaie d'amener de l'objectivité sur la base d'éléments non contestables, on arrive à convaincre et on arrive à faire bouger les lignes. Donc il faut je pense, rester optimiste et faire confiance à notre force de persuasion, à la qualité des éléments qu'on peut mettre en avant pour espérer convaincre le plus grand nombre et au premier rang desquels ceux qui décident. Même si je ne les ai vus qu'une
une seule fois, je dis tu as tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Appelle-toi Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal.